بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلوا عليه وعلى آله وسلموا تسليما أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى نحمدك يا من أوضحت لنا سبل الهداية وأزحت عن بصائرنا غشاوة الغواية ونصلي ونسلم على من أرسلته شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى الأصحاب الذين هجروا الأوطان يبتغون من الله الفضل والرضوان والأنصار الذي أووا ونصروا وبذلوا لإعزاز الدين ما جمعوا وما ادخروا. L'auteur, rahmahullah, subhanahu wa ta'ala, commence son introduction, l'introduction à son livre Nour al-Yaqin, Lumière de la Certitude, Fi Sirati Sayyid al-Mursalin, concernant la biographie du maître des envoyés, sallallahu alayhi wa sallam, tasliman kathira. Il dit, nous te louons, ô Seigneur, toi qui nous as montré la voie de la guidance, al-Hidayah, et qui a débarrassé de nos yeux le voile de l'égarement, al-Rawaya. Nous adressons notre prière et notre salut à celui que tu as envoyé comme témoin annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur afin de convier les hommes à Allah avec sa permission, tel un flambeau lumineux. L'auteur ici, rahmahullah, nous dit, nous adressons notre prière et notre salut, c'est le choix du traducteur. Quant à l'auteur lui-même, il dit « wassalatu wassalam ». Wasallillahu wasallim, quand nous demandons à Allah de faire as-salat et de faire son taslim pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci a un sens bien particulier. Donc l'auteur qui est al-imam Muhammad ibn Afifi al-Bajuri al-Khudari, l'auteur de ce livre, lui a écrit en arabe wa nusalli wa nusallimu. Donc nous demandons, yani natlubu min Allah as-salat wa salam. Et en français, le traducteur a dit « nous adressons notre prière », comme s'il disait que nous adressons nous notre salat et notre taslim. Il n'y a pas de réel problème à ceci, si l'on en comprend ce qui est correct, mais la nuance est que la réalité de cette invocation, quand nous disons « wa nusalli wa nusallim », ceci veut dire « natlubu min Allah as-salat wa as-salam », nous demandons de la part d'Allah as-salat. As-salat, Mahiya, qu'est-ce que c'est as-salat que nous demandons de la part d'Allah? Nous demandons une rahma, muqaranatan bit-ta'zim. Rahmatan muqaranatan bit-ta'zim. Ça, c'est le sens qu'ont donné les savants de as-salat que nous demandons de la part d'Allah en faveur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça ne veut pas dire la prière au sens que nous faisons une prière, nous la demandons à Allah qu'il fasse une prière, ça n'est pas ça. As-salat au sens une miséricorde qui est accompagnée de glorification. Une miséricorde ou une clémence accompagnée de glorification. C'est le sens de as-salat. Wassalam, une préservation. Nous demandons à ce qu'Allah préserve l'image, les traces et maqam an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, le rang et le statut du maître des envoyés au sein de la création pour que reste élevé son étendard au-dessus des mondes, au-dessus, au sens que c'est le maître des mondes. Et selon d'autres explications, ceci veut dire que nous demandons à Allah de le préserver alors qu'il est vivant dans sa vie de l'Barzakh, donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le préserver, lui, de ce qu'il craint pour sa communauté. En quelque sorte, nous demandons à ce que le prophète soit rassuré, à Salam, qu'il soit rassuré. Pas que lui, il ne soit pas touché par une nuisance, mais qu'il soit rassuré. Et d'autres ont dit, d'autres explications, que c'est une demande indirecte que sa communauté soit préservée. Non, mais ceci a un sens qui est voisin du deuxième. Waqala, comme témoin, shahidan, annonciateur de bonnes nouvelles, bashiran, et avertisseur, wa nadhira, wa sirajan munira, comme une lampe, tout comme le prophète alayhi salatu wasalam, a été comparé à plusieurs reprises dans les textes, notamment dans le Coran al-Karim, à un flambeau, comme une lanterne lumineuse. Sirajan munira. Qala,
nous adressons aussi notre prière et notre salut aux compagnons qui ont quitté la patrie en aspirant à la faveur et à la satisfaction d'Allah. L'auteur dit satisfaction, et il est préférable en français d'utiliser le mot agrément ou ce qui est tel que ça. Satisfaction en français a souvent le sens de l'émotion ou l'aspect sentimental, mais encore une fois, ça dépend de la compréhension de la personne, c'est juste des nuances à bien considérer. Ainsi que les Ansar, qui leur ont donné l'asile et leur ont prodigué leur assistance en faisant don de tout ce qu'ils possédaient pour le triomphe de la religion, l'Irzaz ad-Din. Donc, encore une fois, ici, nous adressons aussi notre prière et notre salut, même sens que ce que nous avons dit avant, mais en faveur des compagnons, nous demandons à ce qu'Allah fasse miséricorde aux compagnons et qu'il les augmente en degré. Non.